Bonsoir à tous. Désolé pour la qualité. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo très rapide qui ne devrait pas durer longtemps. Parce que le match entre Toulouse et l'OM va commencer d'ici peu. Il est actuellement 20h20, donc ça devrait commencer dans même pas 20 minutes. Donc pendant ce temps-là, et avant que j'aille regarder la rencontre et que je prépare le débrief et que je vous le fasse demain, je vais faire cette vidéo pour vous annoncer la composition officielle des deux équipes. La composition officielle de Tudor, la composition officielle de Philippe Montagnier. Alors d'habitude, je vous la fais dans le débrief, mais je vous la referai dans le débrief. C'est pour ça que la feuille, comme je fais avec les autres vidéos, je garde de côté. Comme ça, la composition de l'OM et de Toulouse, je la mettrai dans le débrief que je ferai très probablement demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous annonce une annonce pour le Classico et les compositions des deux équipes. Arrêtons de parler et passons au sujet. Donc, gardien de but, Paulo Lopez, qui démarre titulaire dans les buts. On fait face à une défense à 3, Mbemba, Balerdi, Kolasinac. Et ça me rend furieux. Je ne comprends pas pourquoi Bailly ne joue pas. Alors, Gigot est absent, mais pourquoi Bailly ne joue pas? Alors, certes, il y a Loris qui rechute. Il a repris il n'y a pas si longtemps. Il n'a pas encore le RIMT pour pouvoir démarrer une rencontre. Ok, c'est la santé du joueur. Mais s'il ne joue pas le maximum de matchs jusqu'à la fin de la saison, il doit quitter l'OM. Donc si, comme tu dis, Tudor, que Bailly est un atout supplémentaire à l'équipe, bah, il faut le mettre à la place de Balerdi. Après, on fait face à un piston, le retour du piston Tavares et Klos. On fait face à la même doublure du milieu Rongier et Veretout. Et on fait face à un trio d'attaque inédit. Sanchez est, comme d'habitude, toujours titulaire à la pointe de l'attaque. Et on fait face à Under et Unai sur les côtés pour accompagner Alexis Sanchez. Donc sur le banc, nous avons Blanco, Caboret, donc Bailly, Kendouzi est sur le banc, Partou Guelmaz, encore Dimitri Payet est sur le banc, Ruslan Malinowski et Vitinha. Donc Vitinha, je comprends un petit peu plus parce qu'il n'a pas encore les jambes pour démarrer une rencontre pour la jouer 90 minutes. Donc il va très probablement jouer ce soir. Mais pour Vitinha, j'ai un petit peu de clémence parce qu'il n'a pas encore le RIMT et encore les choses trouvées en France. Pour Malinowski, bon, c'est un petit peu pour le reposer pour le Classico contre le PSG. Donc ça, pour l'instant, les deux choix-là, ça me convient. Pour Bailly, bah, je vous l'ai dit, je ne comprends pas pourquoi il ne débute pas titulaire. Kendouzi, la même chose, et Payet. Alors, Kendouzi, Malinowski, peut-être pour les faire reposer pour le match contre Paris, donc j'espère quand même qu'ils rentreront ce soir, mais Payet, je l'attendais titulaire, quand même, pour au moins le faire jouer. Malgré qu'il ne rentre pas dans le système de jeu de Tudor, je voulais qu'il joue. C'est une composition très surprenante de la part de Tudor, avec des choix encore discutables, comme depuis son arrivée. Mais j'espère que cette équipe qui est assez discutable fera l'affaire et battra Toulouse ce soir. L'actualité de l'OM très rapide. Je vous annonce que Neymar a rechuté aujourd'hui, oui, encore une fois, contre Lille. Souffrirait d'une entorse de la cheville sans fracture. Mais il devrait dans la soirée ou demain maximum passer de nouveaux examens au niveau ligamentaire pour voir sa durée d'indisponibilité. Mais on peut déjà savoir que Neymar sera forfait contre l'OM. Il ratera le Classico du week-end prochain avant le déplacement à Munich. Donc pour l'OM, ça devrait nous satisfaire. Neymar n'est pas là et on ne devrait pas avoir la MNM en action. Donc composition toulousaine, Dupé, Dessler, Nicolaïsen, Rouault, Soiseau, Spierings, Branco, Van den Bomen, qu'il faut faire attention, Deyagereux, Abouklaï, Dalinga, Ratao. Remplaçant Hog, Costa, Kamandi, Genro, Zikas, Shaibi, Onayou, Birmancevic et Alusic. Bon match et allez l'OM!